Devant la flambée du coût de la vie, les étudiants étrangers qui souhaitent venir étudier au Canada devront bientôt démontrer qu'ils sont bien nantis. Raymond, Ottawa double le montant qu'un étudiant devra avoir en poche. Exact. Montant qui n'a pas augmenté, qui n'a pas bougé depuis le début des années 2000. Il est de 10 000 $. C'est le montant que tout étudiant doit avoir dans son compte de banque pour obtenir un visa d'études au Canada. Et là, vous voyez qu'à compter du 1er janvier prochain, il va passer ce montant à 20 635, donc il va presque plus que doubler. C'est l'inflation, la crise du logement, Sophie, qui pousse le fédéral à prendre cette décision. Ottawa dit avoir eu vent de bien des cas d'étudiants étrangers qui arrivent au Canada et qui se retrouvent dans l'impossibilité de défrayer les coûts nécessaires pour survivre. On peut écouter le ministre fédéral de l'Immigration. Il faut bien que les gens qui veulent venir au Canada sachent ce à quoi s'attendre, et surtout dans une atmosphère d'abordabilité et les défis que ça présente, que ça soit le coût de la vie généralement ou le prix du loyer. C'est clair que les gens qui postulent au Canada doivent savoir ce à quoi s'attendre et doivent démontrer les capacités financières de pouvoir s'établir ici. Le Québec a déjà réagi? Oui, la ministre Christine Fréchette à Québec a émis une déclaration qu'on nous a envoyée au cours des dernières minutes. On écrit « On a eu des échos du milieu universitaire à l'effet que plusieurs étudiants n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins une fois arrivés au Québec. L'annonce d'aujourd'hui du fédéral pourra contribuer à éviter ces tristes situations », écrit-on. Maintenant, le ministre fédéral, M. Miller, enjoint aussi les provinces à revoir, Sophie, le nombre d'étudiants qui sont admis dans les universités, dans leur province, les étudiants étrangers. À défaut de quoi, il dit que le gouvernement fédéral est prêt à considérablement limiter le nombre de visas émis chaque année, et ce, à compter du mois de septembre prochain, pour accueillir des étudiants étrangers. M. Miller dit que le fédéral veut notamment s'assurer qu'il y a assez de logements pour accueillir chaque étudiant étranger au Canada. Merci beaucoup, Raymond. Il n'y a pas de quoi.